c'est l'histoire d'un noir et d'un arabe. Non. Faux départ. Toutes les histoires qui commencent comme ça se finissent toujours mal. Contrôle d'identité entre des frères de blood. C'est pas de la faute des autres si le monde est blanc. La crise identitaire est un problème d'époque. Le communautarisme, le cancer des blocs. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu veux tester mon gabarit? Tu crois qu'à Paris qu'on accueille bien les Qataris? Ferme ton bec, ravale tes blagues raciales. Ou dans ton bled tu te feras rare comme un black asiat. Rien à battre. Et on a quoi là les gars? On a quoi un petit négro? Tu fais du rap, reste un arabe qui gâte ma black musique. Eh, fais le malin. Eh, vous voulez là? Donc laisse nos panthères. Vas-y, on nique ce juge. Acheter ton album arabian pampers. Tu crois réunir les noirs avec ton noir désir? Ouais, je filme là. Mais t'es qu'un demi-leader comme Harlem Désir. Vas-y, bonjour à la caméra. Bonjour à la caméra. Tu dis vague, j'ai pas besoin qu'on m'accepte, j'ai les macrèbes. M'appelle pas Rouya, on sait que vous êtes raciste et aucun nègre n'oubliera que les arabes étaient esclaves. Parle-moi plutôt de l'esclavage des noirs eux-mêmes. Tous ces qui ont enlevé des âmes humaines. Les premiers négriers étaient vos égaux. J'crois bien que t'aurais fini comme Samuel Jackson dans Django. Contrôle d'identité entre des frères de blood. Oh, monte ta tête, monte ta tête, monte ta tête, y'en a, hein. La crise identitaire est un problème d'époque. Le communautarisme, le cancer, c'est chez vous qu'on trouve les traîtres et les gars soumis, donc entretuez-vous avec vos nidim et vos chalgoumis. Dans une embrouille entre rebeux, faut jamais s'incruster. J'avoue, je suis malheureux, j'aurais dû laisser Nesbill t'insulter. Un peu de cash sur la table, et les blacks se calomnient. Ou si on se clash, c'est pour mieux se réunir comme Inoua le Shaobot. Y'a pas que le sable du Sahara qui nous sépare, et on sera toujours plus unis que Kerry James et Kevin Seba. Nous au moins on a des leaders, viritant nos phases. C'est notre auteur qui fera toujours fantasmer vos femmes. Pas de pitié, alors écoute bien. Préférer les lapider, alors elle préfère notre coup de rein. Les bonobos ne pensent qu'à tartiner les beurettes. Ils négligent leurs femmes, excisées à la clé à molette. Je veux pas de vos rituels, j'évite les unions mixtes. Heureusement que les arabes ont amené l'islam aux animistes. Heureusement que le prophète était un être à part. Heureusement Dieu nous protège de vos coutumes d'arabes. Normal que tu stagnes. Les ignorants comme toi ont bien vite oublié ce que Bilal a fait pour l'islam. Contrôle d'identité entre des frères de blood. C'est pas de la faute des autres, c'est le monde des blocs. La crise identitaire est un problème d'époque. Le communautarisme, le cancer des blocs. Ne touche pas, mec. Quoi? Ça vous
En face des trous, comme sous une cagoule du Ku Klux Klan qui masque le jour, qui écrit bloc avec 3K, qui écrit test avec 2S, doit prendre garde. Rien ne sert de jouer au beurre ou au placosphère, d'être plus identitaire que sur la blogosphère. On revendique être gosse d'Afrique, mais qu'être ethnocentrique, c'est être égocentrique. Quand les vieilles victimes deviennent de jeunes auteurs, porteurs du gène d'Hitler sans être leur géniteur. Quand le poison s'invite dans une blague lambda, la mixité ressemble au mariage de Black Mamba. Des traditions aussi snobinardes que celles des apéros sauvages, saucissons pinards. Faussement droit, glomiste et républicain, éradiquons le radical qui sommeille en chacun. Et l'amour des siens, c'est pas la haine des autres. Et l'amour des siens, c'est pas la haine des autres. Et l'amour des siens, c'est pas la haine des autres. Et l'amour des siens, c'est pas la haine des autres. Et l'amour des siens, c'est pas la haine des autres. Et l'amour des siens, c'est pas la haine des autres. Et l'amour des siens, c'est pas la haine des autres. Et l'amour des siens, c'est pas la haine des autres. Et l'amour des siens, c'est pas la haine des autres. Et l'amour des siens, c'est pas la haine des autres. Et l'amour des siens, c'est pas la haine des autres. Et l'amour des siens, c'est pas la haine des autres. Je vous ai raconté l'histoire de mon ami Henri. Né dans les années 60, famille française hyper conservatrice, de nos jours on dirait famille de fachos. Il passe sa jeunesse avec des nationalistes de tous les bords, se fait des amis qui partagent ses opinions, il forme des groupes, échange des idées, il se met à sortir pour quelques casses, quelques conneries. Mais surtout, il reste sur un seul et même objectif. Lié par le fait que toi et ton meilleur pote, vous êtes une seule et même force contre l'agresseur. Par contre, ce qu'il n'avait pas compris, Henri, ce qu'il a compris bien plus tard, c'est que le seul vrai agresseur, c'était lui. Je vous ai appris apprenez-leur.